Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Tu penses pas constater après assassinat du président Jovenel Moïse? Parti place pas profiter faire une série de constats. Tant coup, pays d'Haïti, presque pas de mémoire, aucun héros nous yon qui te goumé pour nous indépendance. Tant coup, nous pas de aucune information. Sous mémoire Jean-Jacques Dessalines, comme papa nation. C'est peut-être ça. Parti PLANSPA mandé, recommandé, encouragé, autorité qui concernait dans l'État. Donc, responsable hispano, pour yon prendre toute disposition qui permet Kay, côté yon assassiné président Jovenel Moïse là, vini yon lieu de mémoire. Pour toute génération qui a vini yon, capable de connaître. C'est dans l'espace ça, il a été assassiné. Il y a un président qui t'a défendu cause peuple. Parti plus pas mandé pour petit bon jeune qui était toujours dans pied, président Jovenel Moïse là. Chemise lio, abacoc te sous lio, plim li te consigné et la trié. Pour tout objet ça yo, yo exposé yo nan lié mémoire ça. La caille côté yo te assassiné président Jovenel Moïse nan Pèlerin 5. Ça veut dire à clair. Parti PLANSPA mandé l'État haïtien à travers ISPAN pour yo patrimonialiser kay côté criminel yo te assassiné président Jovenel Moïse. Parti PLANSPA a adressé yon lettre à toute yon pétition par responsable hispano ak ministère la culture sous dossier ça. Parti PLANSPA constaté assassinat président Jovenel Moïse. La guerre pays d'Haïti n'a plus gros confusion. Nous pas jamais connaître depuis nous exister. Peuple haïtien a vivre plus gros crise dans le moment depuis existence. Tout acteur a goumé. Acteur a goumé. Sous sang président Jovenel Moïse, pour prendre le pouvoir peuple là, en dehors tout principe démocratique, parce que vous n'avez jamais barré pour y aller dans l'élection. Dans ce sens, le parti PLANSPA quoi? C'est seul un accord politique, largement large, qui permet la crise haïtienne de résoudre. Un accord politique. Qui doit joindre entre acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs qui dans confession, toute confession religieuse, acteurs dans la société civile, acteurs politiques, largement large, doit permettre pays à gagner tête li.
un gouvernement qui doit inspirer plus confiance. Parce que le gouvernement ça qui là, c'est un gouvernement anti-clan. Gouvernement ça pral empirer crise là. Parti plan se pas mandé, y a un accord politique pour mettre campé un gouvernement qui doit inspirer plus confiance. Et parti plan se pas pral font pèlerinage sous tout pays pour accord politique ça joindre. Et les parti plan se pas parler, c'est parti peuple là, tout le monde connaît parti plan se pas gain ancrage li dans tout pays là. À quoi politique largement Lazare à permettre autorité l'État yo river résoudre problème sécurité nationale là. À quoi politique largement Lazare à permettre autorité qui dans l'État yo river établir un programme apaisement social pour aider les gens qui vivent dans le quartier populaire, les gens qui vivent dans la commune, les gens qui vivent dans la section communale. Si tout le monde dans le quartier Matissan et Fontamara qui est obligé de déplacer quitter Kayo depuis plus de 3 mois à cause de problèmes d'insécurité. Accord politique, l'Allemand Laïsa, a permis pour l'autre conseil électoral provisoire qui inspirait plus confiance, qui doit établir pour organiser élection dans 6 à 9 mois, élection générale pour établir Palma haïtien, pouvoir, alors, le président, magistrat, Kazek, Azek, dans objectif pour nous rétablir l'ordre républicain. Un étudiant en criminologie, en droit ou en sciences politiques, pour qu'on soit clair et pour nous faire une justice ensemble, parce que nous sommes un peuple intelligent, nous sommes un peuple, même les, tout le monde a dit ou pas besoin de justice, ou même peuple qu'on a besoin de justice quand même. Parce qu'il faut que nous changions le système ça, nous ne pas gagner dans le système judiciaire nous, des assassins qui ont tué les résidents, ou bien qui a plagué des criminels qui finissent tuer 212 personnes avec petit peuple avec sirop toxique. Et puis, au lieu d'avoir 60 ans en prison, il y en a l'aria. Et c'est même eux-mêmes qui ont business tuer les présidents. Donc, moi-même, ma boire comme étudiant, 5 points général pour prendre. Et dans chaque point élément général, ça a eu des points pour considérer. Avant d'entrer dans le point, ça a eu, ma dit ou même qui sont étudiants ou bien ou même petit peuple là qui a fait enquête là, parce qu'il y a deux enquêtes. Il y a une enquête institutionnelle là que la police et la justice a fait. Ça n'a fait là, c'est ça dans la démocratie, enquête populaire. Il n'y a pas de crime dans le pays côté qu'il y a une démocratie, qu'il y a la police et la justice bloquée, sans enquête populaire qui fait nous avancer. Exercice n'a fait là et les nous réussissons joindre tout criminel qui touille le président, la bon pour le pays, la bon pour la démocratie, la bon pour nous tous. Son signal que nous allons voir que bah, ça a eu. Pas acceptable en Haïti, nous voulons construire une société et démocratique tout bon. Donc, il y a 5 points pour garder, ok? En chaque point, il y a un petit élément. Premier point que nous avons gardé, c'est plan, on va rentrer là-dedans. Deuxième point que nous avons gardé, composante qui touille le président. Troisième point que nous avons gardé, touille le président, fait partie d'un coup d'État. Nous parlons de différentes phases, coup d'État qui mène à touille le président. Et quatrième point que nous avons considéré, c'est l'implication internationale. En entrant dans le premier point, qui c'est plan. Pour moi-même, plan, il y a 3 éléments là-dedans. En fonction des paramètres qui sont disponibles, qui permettent de vivre. Il ne faut pas oublier qu'en entrant dans le point ça, si ou même sans sciences politiques, en criminologie, en droit courrier, on doit prendre un tableau pour commencer l'exercice qui peut pour permettre de tout criminel de rejoindre ensemble pour bâtir photo crime. Et ou pour un gros tableau, et puis dans ce tableau, on met des photos victimes. Une victime qui a touillé ce président et assassiné le massacre. Bon, l'autre victime, c'est la première dame qui prend et balle. En bas de photo, ça, on va mettre des photos 18 Colombiens qui ont arrêté, 3 qui ont touillé, 5 qui sont sauvés,
et haïtien qui a arrêté et haïtien qui la police a cherché. Yo chaque bon histoire, yo chaque bon lien. Et Wendell Kok et Ivikel da Brésil qui était dans coup d'état pour tout le président le 7 février et Marie-Louise Gauthier. Tout élément ça on va mettre sous tableau. Bon, on va nous venir entrer dans détail technique ça sur enquête là. Bon bon et point qui dans chaque élément. Plan gain 3 points pour la dedans. Premier point dans plan c'était assassinat caractère président et politique de déstabilisation. Il commencé un mois et demi après le président prédécessement Léo vin inventé bagaille inculpé. Donc il était commencé politique d'assassinat de caractère. Donc depuis les ça pas jamais campé, c'est coup de filet dans radio sans prendre souffle pendant 4 ans et demi. Après ça vient entrer dans déstabilisation avec l'OC etc. Donc premier parti dans plan son parti politique. OK? Et deuxième parti dans plan c'est attaquer légitimité électorale et constitutionnalité président Jovenel Moïse là. Nous tout qui là nous connaissons, nous te suivi l'élection yo. Nous connaissons le résultat au débat 3 janvier 2017. Nous connaissons le président et prêté seulement 7 février 2017 pour un mandat de 5 ans qui a fini en février 2022. Yuri la tortue pour aller inventer un affaire, fin mandat 2021. Il était un objectif pour remettre en question légitimité constitutionnelle et électorale président. Et c'est pour justifier dans le troisième point dans le plan, élimination physique président. Il n'y a pas laissé le 7 février. 2021 l'échouer et on va laisser encore 7 juillet côté on va le tourner. Donc premier point, premier élément, c'est plan qui gagne 3 points ça. Deuxième élément, c'est ça les composantes assassinat président. Il gagne 3 composantes là-dedans. Il y a une composante financière, nous doit coûter à peu près plus que 20 millions de dollars américains pour mener opération ça tourner président pour aller chercher 20 anciens soldats, mercenaires colombiens pour venir tourner président pour faire toutes dépenses au moins 20 millions. OK? Nan affaire qui parti ça yo di nou bon agence en Floride qui était après la 4 agences colombiennes et puis pour recruter nèg yo et puis c'est lui en même temps qui bail crédit et on a fait des 15 millions de dollars américains pour que justement crime a fait mais les nous garder moun trésorier John Joel Joseph qui le machine pour moun yo docteur Sanon qui fait à peu près 60 000 dollars américains par année qui doit 400 000 dollars. Nous ne savons pas qu'un coup là, c'est là pour aller prendre 15 millions, on côté. Donc, bon monde qui cache derrière. Pour nous, bon monde qui cache derrière, il faut aller dans le secteur bancaire. Par exemple, bon gros oligarque pays d'Haïti qui font gros virement à partir d'un banque qui était sous sanction en Argentine. On oligarque du groupe Blackout, il faut aller regarder. Virement ça qui était commencé en janvier. Il faut aller regarder les détails. OK, ça c'est aspect financier. Qui gros bourgeois qui derrière, pas gain 6 moun dans pays d'Haïti qui t'a financé 20 millions. Toujours dans composante assassinat, bon deuxième élément pour garder, c'est complicité en dans la police pour garder à deux niveaux. Premier niveau en dans commandement, inspecteur général qui était dans commandement Marie-Louise Gauthier trop petit pour monter opération comme ça. Qui est en dans commandement la police qui d'elle ou bien un ancien haut gradé la police et qui élément politique qui d'elle tout. Deuxième composante complicité dans sécurité pour tout le président, c'est en dans palais national. IRGPN, CATIM et dans UFP. Et il faut regarder tout, est-ce qu'il y a une tension entre trois unités ça au candidat palais et commandement la police sur question ça. Il faut aller chercher information. Troisième bagaille qu'on va regarder dans la composante assassinat, c'est composante politique là. Jodi a nous avons l'idée très claire de composante politique là. Est-ce que le complet? Premier, l'idée claire que nous avons de composante là, c'est avec John Joel Joseph et Badio Joseph qui sortent dans la partie unité. Al garder à constitutif. De Google sur Internet là, al garder à constitutif de l'unité Haïti sur Google. Ou même tout le monde qui l'a dedans. Et on comprend ensemble d'affiliation politique. Premier ministre qui l'a Ariel Henry, c'est dans l'unité qu'il sorti. Il faut garder ça. Et longtemps, il dit que de vous besoin Ariel, c'est Badio Joseph pour checker. Est-ce que c'est vrai? Il faut aller vérifier bagaille ça. Ou va regarder le téléphone John Joel Joseph, tout 3701-7051, son journaliste. Ben ou va regarder, est-ce qu'il te recevoir un paquet d'appels en janvier, on va y aller essayer tout le président 7 février. Qui m'a mis et qui appelle lui recevoir. Même Jean tout, je vais tout le président 7 juillet, ou va regarder. Et dans mois de mai, dans mois de juin, dans mois d'avril, qui monte John Joel Joseph Relampil et qui appelle qu'il recevoir. Et on va le croiser téléphonie avec un série de monde. Et par exemple, moi-même, je dis publiquement dans la radio, si nous connaissons composante politique là, où il y a
Nous connaissons Unité, c'est parti qui participait dans tout le président Jovenel Moïse, à travers sénateur Unité, à John Joel Joseph et Badio Joseph, qui a loué machine pour mercenaires, qui a tout le président. À qui l'autre monde dans Unité est en contact pour planifier tout le président? Pour nous joindre. Nous avons l'autre composante politique dans tout le président qui est clair, qui a avis de recherche sous lui, c'est juge Cour de cassation Wendell Kopp, même j'ai un juge Yvi Kelbra d'Abrésil, qui a participé dans tout le président le 7 février. Il était échoué là-dedans. On a regardé composantes politiques ça. Troisième élément, nous allons regarder ces différentes phases. Parce que en fonction de tout développement, nous disons que son coup d'État en plusieurs phases. Pour moi-même, première phase là, c'était tout et madame président, ça ma président. Et première phase là, réussi partiellement, parce que tout le président, il a quitté madame président pour mourir vivant toujours. Et faut la police à regarder, est-ce que ça cap dit dans la ria? C'est vrai. Les nègres vintant de nan matin que madame président va mourir, il y a de elle dans l'hôpital Margaret Degan dans Pétionville. Est-ce que c'est vrai? Faut la police al gade caméra et qui dans l'hôpital ça pour si nègres te vin de madame président pour touye le apprendre qu'elle vivant. Donc faut al gade question ça. Et deuxième phase coup d'état, c'est prendre pouvoir. Qui est-ce nous remarque qui a essayé prendre pouvoir? C'est ancien coordonnateur UNITEA Joseph Lambert, c'est premier ministre Ariel Henry qui dans UNITEA. Est-ce que l'unité a essayé de prendre pouvoir pour résoudre le problème enquête là ou bien pour bloquer l'enquête là? Premier élément qui sorti journée aujourd'hui dans le Conseil des ministres montre que semblait unité dans tous les résidents red dans le gouvernement parce que ou pas qu'à dire mon pays pour monde qui vote vivant et Wendell Kopp. Pour qui ça fait agence intelligence là, pour la affaiblir l'État plus pour l'État prendre plus coup. Est-ce que M. Gombay l'a caché décision ça à quel point montrer que il trahit le cadavre président Jovenel Moïse. Donc ça veut dire que les unités ont un agenda. Non seulement tout le président, ils ont l'autre agenda. Est-ce que c'est pour tout le président deuxième fois? Nous ne pouvons pas connaître, nous allons regarder. Donc, dans la phase coup d'État, deuxième point, c'est prendre pouvoir. Nous venons avec le troisième point, nous allons laisser bloquer l'enquête là. Quatrième point, dans les gens qui parlent aujourd'hui, nous allons faire l'élection. Nous allons faire le peuple voter. Alors que nous-mêmes qui parlons là, nous connaissons que son green buy qui a empêché l'élection en fait. 26 septembre. C'est sécurité dans la zone métropolitaine et du côté que Audemars a contrôlé dans la Tibonite là. Ou qu'a résolu le problème de sécurité ça sous une volonté en 3 semaines. Pour ça le pas fait. Pour ça il parle de ça le parle. C'est qu'on comme d'adou n'est pas bulletin de votre peuple là n'est pas voulu voter. Vous voulez pouvoir dans Chita dans hôtel Mondana et hôtel Rancho au Port-au-Prince et vous mettez au dehors comme peuple. Donc nous dit que dans deuxième phase coup d'état 1, tu es président madame président lié ici partiellement. 2, prendre pouvoir. 3, saboter enquête là. 4, bloquer élection. 5, annuler tout décret qui te baille, que le président te prend pour baille peuple qui reste là. L'on annule les décrets ça y est, tout bourgeois volé pour aller recommencer à piller dans l'électricité, dans les produits pétroliers, dans la manipulation monnaie nationale, l'agence diaspora et la vie, qui reste là pour venir le peuple là. Donc ce qui dit, l'on parle de sécurité nationale, il faut une doctrine de sécurité nationale et il faut une stratégie de sécurité nationale. Et une institution, peut-être bien trois institutions qui sont importantes immédiatement, c'est la police, l'armée, avec service intelligence. Intelligence là, et une formation pour recevoir, pour faire partie de l'Agence nationale d'intelligence au pays. Il y a différents niveaux et là-dedans, et un niveau direction, comment on est organisé en matière de politique publique de l'intelligence. En bas, nous avons défini notre tête là. Bien ça, les directions opérationnelles, administratives et techniques de l'intelligence là. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a l'intelligence humaine, il y a l'intelligence électronique. Et ça veut dire qu'il faut une capacité dans l'intelligence électronique pour entrer sous compte email monde, pour entrer sous compte Instagram, yo, Facebook, Twitter. Les Américains ont toute capacité ça à travers institutions d'intelligence. Li. Et il faut une capacité d'écouter téléphone. Et ou gain intelligence humaine, il dit que l'homme était structuré intelligence là, il doit avoir deux monde qui travaillent, fait chambre dans hôtel, il fait partie d'agence intelligence là, il doit avoir un monde qui est dans une compagnie de télécommunication, un comptable, un champ, il doit avoir n'importe qui monde dans la société là. Donc intelligence là, objectif là, premier là vous faire c'est ça les data collection. Il dit que vous allez faire collection d'informations sur des monde qu'on cible et il doit ces journal qu'on découper chaque jour. Il y a une série d'informations qui a dit sur la radio. Il permet de construire les dossiers d'intelligence d'un pays. Ok? Il faut que mon agriculture, la santé, dans tout secteur d'activité économique et sociale, pour que mon pas faire intelligence. Donc ça veut dire que si nous avons un service d'intelligence tout bon dans le pays, mon 26 mercenaires étaient là,
depuis plusieurs semaines. Donc, nous avons bien découvert. Donc, ça veut dire que l'Agence nationale d'intelligence, ce n'est pas est-ce que nous devons mettre tout l'État qui est responsable. Okay? Tout l'État qui est responsable doit être l'Agence nationale d'intelligence. Il y a intelligence interne, ça veut dire en dedans pays, il y a intelligence externe. Étant donné, par exemple, que dans un domaine, la montée hégémonique de la République dominicaine, il faut nous faire attention avec les matières de sécurité nationale. En même temps, tout, étant donné qu'on a une minorité raciste blanche, l'autre bois, qui parle de monde noir, c'est où tu fais génocide sous nous en 1937 et a préparé un nouveau, il faut nous pénétrer toutes les institutions dominicaines en matière d'intelligence. Même Jean Dominicain, il a pénétré toutes les institutions jusqu'à ce que je dis, il pense qu'il a mis ton sénateur président. Donc nous-mêmes, tout. Il faut nous avoir une capacité, ça, capacité d'intelligence. C'est lui qui va permettre la police et l'armée. Par exemple, si nous faisons une opération dans le village de Dieu, il faut la police et l'armée qui ont l'intelligence d'abord. Combien de gangs, combien de soldats qui ont dans la gang? Quelle qualité d'armes que vous avez? Stratégiquement dans le village de Dieu, et comment vous déployez dans le village? C'est ça qui va permettre de déterminer le mode opérationnel la police et l'armée qui décide pour caser la gang. Donc, n'importe quel État démocratique dans le monde, il n'y a pas qu'à exister sans intelligence. Donc, nous-mêmes, en tant que pays, nous avons besoin d'une agence nationale d'intelligence avec un budget. Bien entendu, budget intelligence, là, son bail qui toujours paraît en noir dans le budget national. Là, parce que son bail secret est lié. On joue intelligence dans la République, il y a intelligence encore. Bien entendu, il y a des modes opérationnels pour protéger les droits civils et politiques, pour ne pas avoir abus, pour ne pas avoir bagaille. Et aux États-Unis, il y a des agences d'intelligence différentes, il y a CIA qui opère seulement à l'étranger, il y a FBI qui a une capacité, il y a NSC qui fait surveillance électronique, téléphone, email, tout le bagage qui sont internet là, c'est eux-mêmes. Il y a une direction nationale d'intelligence, il y a une intelligence militaire, et toute information de toute intelligence, il y a un côté central qui est le DNI, Direction nationale d'intelligence des États-Unis. Chaque matin, les président des États-Unis a levé, il a un briefing 15 minutes de directeur national d'intelligence. Il dit, je dis à pour journée, mais menace à travers le monde et en dedans les États-Unis. Menace interne et menace externe dans 192 autres pays qui sont sous la terre. Nous-mêmes tout, il y a eu ça PDB, Presidential Daily Brief, ici aux États-Unis. Les présidents levés le matin, il a 15 minutes pour briefing intelligence et militaire. Il y a 15 minutes pour briefing économique, 15 minutes pour briefing social pour journée, mais des bagages qui représentent danger dans le domaine ça et qui s'est fait, et le président prend des décisions. Ici aux États-Unis, coordination sécurité nationale là, avec agence d'intelligence, avec l'armée, FBI, etc., il fait en deux maisons blanches pour le président, dans l'institution qui est le Conseil national de sécurité, National Security Council. Donc c'est ça, président, c'est créé, non seulement elle a été créée à Annie, mais il était fait un décret pour améliorer la capacité de l'État en matière de sécurité. Le ministre là retrouvé le non-situation, c'est quatrième année mandat président, auquel cas la Constitution prévoit une solution, ou bien s'il n'a cinquième année mandat président. Pas oublier que c'est les derniers temps avant le président Temoyen, il était question que dans le camp du président de la République, mandat par la table fini selon article 134-1, le 7 février 2022. Ça veut dire que sous notre camp, article 134-1, Premier ministre a supposé dans cinquième année, dans quatrième année président, qui va le finir sous cinquième année en 2022. Mais sous notre camp opposition, ça veut dire que le mandat a été fini depuis 7 février 2021. Ce qui veut dire que, journée aujourd'hui, hein, nous avons une situation inconstitutionnelle, une situation côté constitution pas qu'à appliquer. Nous, en dehors de l'état de droit, pas qu'il y a l'autre bagaille qui a fait que y a un consensus politique. Regarde, nous parlons de constitution là. Ça fait longtemps que la constitution n'est pas appliquée. C'est un consensus politique qui pourrait arriver abouti à des élections pour nous remettre l'institution en place. Mais à quel moment est-ce que dans l'état d'insécurité, l'état actuel d'insécurité au cas où on faire élection, je ne pense pas. Je ne pense pas que bon élection possible à l'état actuel de l'insécurité. Une insécurité qui arrivait à emporter même président pays. Hein, on ne peut pas croire que aujourd'hui, si on ne pas mettre l'ordre dans des autres, il y a une élection possible. Maintenant, si l'élection n'est pas possible pour nous, il faut que force vive pays, hein, institutions, société civile, et partis politiques, toute institution organisée, il faut jouer un consensus pour permettre que
pays a retourné sous rail démocratique là. Pour remettre l'institution en place, consensus ça va permettre que l'élection faite, consensus ça va permettre que des mandats qui gagnent dans le cours de cassation pour remettre cours de cassation et sous pied conseil et supérieur pouvoir judiciaire là faut que élu ça te gagne avant l'an mort président Sylvestre faut rejoindre un consensus entre eux pour remettre et pouvoir judiciaire là sous pied parce que là problème est tellement grave que je ne veux pas croire que si un politicien sensé est capable de dire que nous dans le cadre constitutionnel là nous pas dans la constitution ça fait quelques jours nous pas dans la constitution tout brigandage qui fait qui aboutit à l'an mort président pas dans la constitution. Eh bien, je vous dis, à pire de nous pas d'accord. Ça veut dire que c'est un consensus qui pour, que pour nous joindre. Bon, nous t'avons dit, c'est un consensus inter-haïtien. Mais Jean-Bagay l'a parti là. N'est-ce que demandé 72 si président est allé, mais qu'on y a eu tué président. Mais presque, presque un mois, depuis qu'il y a eu président, il y a assassiné, rien pour arriver fait. Ça veut dire que, en somme, pas de aucun projet pour le pays, pas de aucun champ de terrain avancé. Donc, c'est ton y a ton, M. Blanbaï au dicté pour voir qui Jean a avancé avec politique pays. Même ici, nous va arriver entre nous, mais c'est temps d'attendre l'autre sortie de l'extérieur pour permettre de nous arriver chita pour nous faire un travail qui va la bande de pays. Si nous faisons râler, parce que haïtiens toujours français vers le passé, si nous montons dans la période du Valier, si nous montons dans la période la Médaïti, c'est un système d'intelligence, un système d'intelligence qui est plus fiable dans les Caraïbes. Il y a un pile l'autre état qui a besoin des renseignements. Que vous êtes passé par la Médaïti pour bien renseignement ça. Mais ça veut dire que l'armée vient démobiliser, bon bon travail qui était fait, qui n'est pas fait. Donc, vous venez une déchéance de 86 à nos jours qui mène nous dans cette privée-là. Par exemple, si vraiment tu es un service d'intelligence, eh bien, tout bagaille ça, mais ce n'est pas arrivé au séjourné près de 3 mois dans le pays pour tuer un président, et puis personne ne va au courant. Ça veut dire que tout le temps d'autres temps de parler de service d'intelligence dans le niveau de toute institution dans le pays, que ce soit au niveau de la primature, au niveau de la présidence ou bien au niveau du ministère de la justice, pas de aucun service d'intelligence. Moi, je pense que pas aucun pays sérieux, je vous l'ai qui est capable d'exister sans un service d'intelligence. Regardez semaine ça, deux qui se fait parler en Europe, il y a parlé d'un système informatique d'espionnage que informaticiens ont mis sous pied, que des pays étrangers, par exemple Maroc, qui utilisaient son système, un système israélien remetté sous bien, ils ont vendu plusieurs millions de dollars US par an, ils viennent réaliser que le pouvoir marocain a questionné le pouvoir français, a questionné l'autre pouvoir en Europe. Donc oui, service d'intelligence, non, un pays pas qu'à exister sans le pagon service d'intelligence. Par exemple, à travers le monde, aujourd'hui, hein, nous connaissons que le service d'intelligence qui est plus fiable à travers le monde, le service américain, hein, qui a dit que ou bien CIA ou bien FBI très très puissant, ou bien DGSE en France qui est très très puissant, ou bien KGB qui est très très puissant, tout, ou bien service d'intelligence Israël là, tout qui vraiment puissant. On est capable d'exister sans un service d'intelligence. Mais là, tout, est-ce que PM n'est capable de commencer à prendre des prêts pour abroger des prêts? Je pense que même si nous pas dans le cadre constitutionnel, je vous dis, hein, tout texte qui prend, yo, tout décret qui prend, par président Jovenel pendant absence parlement, yon seul autre comme pas un conseil constitutionnel ni pour commettre sous pied, une seule autorité qui ont compétence pour la réagir sous yo, c'est le parlement. Pas un parlement pour rien, c'est tant pour autant non l'autre parlement arrivé et puis pour prendre ensemble texte ça yo, pour le parlement examiner pour le prendre qui ça la fait avec eux, s'il a demandé pour faire retrait ou bien s'il a pas l'examiner en tant que de texte de loi pour voter. Parce que je vous dis, il y a des priorités, mais priorité, ce n'est pas à rentrer décret, rapporter décret. Puis quand nous voterons net dans l'illégalité, c'est pour nous tendre les institutions en place pour faire travailler ça. Je vous dis, et priorité, c'est la sécurité sur le plan national, et puis cap sur les élections, pour nous redoter pays d'institutions démocratiques pour capable mener bas pays. Ça veut dire, selon l'explication pour nous là, et pour le ministre, Ariel Henry n'a pas gagné aucune base légale pour lui t'a rapporté un décret que l'ancien président Jovenel Moïse te prend. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable parce que pas oublier que nous avons une situation côté ou pas qu'a vraiment dit. Par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé pour mettons exécutif à deux têtes selon la constitution. Hein. Même si vous avez un exécutif à deux têtes, président avec premier ministre, ou pas dans la constitution encore, ça fait longtemps nous quittons le cadre constitutionnel là. On a ce consensus politique, de consensus à consensus pour nous aboutir, pour nous capables de remettre l'institution sous place, et puis pour nous profiter d'où, dans le même temps, faire débat
sous un éventuel amendement constitution pour c'est un premier travail pour prochaine législature là pour quelqu'un pour le manger sous lit c'est question problème constitution. On pense que pour aujourd'hui c'est l'entente qu'on veut retrouver, faut que nous venons entente là pour nous capable avancer parce que n'a voté longtemps en dehors de la constitution, en marge de la constitution. Je viens de discuter entre des bandes rivales et groupes armés dans la circonscription et que le premier impact c'est sur la spéculation monde grand sud là, monde carrefour, sous des bases. C'est une situation assez difficile. Ça a provoqué déplacer de plusieurs centaines de citoyens et de citoyennes. Et bien, on partit, environ 1200 jeux de billets, qui étaient hébergés au centre de Carrefour depuis le 5 juin dernier. Et ça, c'est contre la mairie, avec l'aide de solidarité inouïe de la part de l'organisation de Carrefour, avec en tête les églises de Carrefour, communauté Carrefour là. Et moi, de l'autre côté, par exemple, mon pasteur Kai, qui hier, avait venu l'argent pour te faire manger pour une journée remonio. Et il y a un peu de Carrefour, CDFPL, avec Radio Lumière Indigène, tout est. Et voilà, c'est tout le monde a été aidé, l'école et les vieux ont été aidés pour nous prendre en charge. Et des partenaires humanitaires de type OIM, UNICEF, Solidarité Internationale, CHM, voilà, qui est aidé tout. Mais ADRA, tout le monde a été aidé en pile. Mais la situation, lui, très compliquée parce que nous, ça ne fait pas vivre l'autre dehors. L'organe 1200 personnes qui hébergent. Dans un seul espace, dans un gymnasium, pendant 2 mois, tout le monde vient 3 mois, il vient 4 mois, il vient 1 an, grand monde vient 70 ans, 78 ans, jeune monde vient 16 ans, il vient 10 ans, jeune fille, c'est un véritable galimatia. Donc, le monde n'est pas recevé. Il me dit que le jeune d'avoir recevoir les travail à la roue, la solidarité, l'hospitalité et la résistance, qui pas bien un déplacement de foyer de sécurité, de marquissants à cancer. Ça fait me dit que la vie citoyenne, si vous êtes venu. Mais pendant tout le temps, ça, nous, ce qui est pas hier, c'est ce qui est venu par la suite, c'est bien MAS qui est venu, DGPC qui est venu, mais depuis là, mon président, il y a une absence totale de l'État central par rapport à ce qu'on supposait, et de continuer à commencer jeune pour nous démonter. Donc, ça a une explication qui est par rapport justement à l'homme président, qui vient de venir désarticuler. Mais, vous comprenez que dans l'administration publique, parce que c'est un groupe qui a une discontinuité, et pendant plus que 3 semaines quand même, donc ça arrive malheureusement, mais bien, pasteur Géider, CDFL, qui saute dans le manger pendant 6 jours, plats par jour pendant 6 jours, avec mon église, ce bagage extraordinaire. Incidence matissante, dans son matissant au Carrefour, sur le plan économique, lui, vraiment dévastatrice. Bon, dis-nous ça qui passe. Moi, j'ai une entreprise Carrefour, je dis à la partage de matière première pour fonctionner. Je partage de gaz pour faire alimentation génératrice, par une matière première pour faire transformation. Bon facteur, il y a plus que 6 000 là-dedans, et bien, il est fermé, c'est seulement, seulement 600 000 libérés, situation minimum de production. J'ai reçu hier un appel de l'un des responsables confirmant que ces portes seront fermées définitivement dès ce vendredi. Donc, Carrefour aujourd'hui a associé, lui enclavé, lui englué, alors que c'est pas mon Carrefour qui, justement, et au cœur de l'événement qui a passé. Donc ça, c'est une situation qui est déjà demandée pour effectivement, gouvernement, nouveau gouvernement, et PM Ariel qui s'est monté, et d'avoir une critique qui a fait contre PM par rapport au fait que s'il y avait un certain conseil de ministre, on a fait un petit temps, pas trop long, vraiment pas trop long, pour nous garder puis ça y a fait, parce que nous avons discuté avec des priorités de l'IA, selon le matissant, même dépassé, il y a une sorte de café là. Ensuite, situation générale collective qui est dans le pays aujourd'hui, qui nous va discuter, qui vient 19 mois et pas touché, nous avons un total de collectivité, et puis nous avons une série d'acteurs politiques sur le sujet, qui a dit que c'est le gros qui est sur le conseil de l'IA, ils ont écarté totalement les collectivités, les maires, les casés, les élus locaux. Donc c'est bien ça. Nous, en difficulté, vous nous avons mangé, maintenant là, vers 10h30, pendant moi, à travers moi, tandis qu'il y a une grosse manifestation dans la course de plan, parce que nous ne disons pas arrêter encore. C'est barre pour aller. Donc, on va arriver là, ma fête par là, avec un petit peu de poids, il en est. Et après, retourner sur le gouvernement plus tard, au demain, pour nous dire, pour nos revendications d'ailleurs, parce que nous ne pouvons pas vivre l'autre bois, mes amis. Mais c'est une déception pour l'État, pour le gouvernement. Il y a 1200 personnes qui hébergent dans un gymnasium, qu'on va prendre une charge de manière régulière pour toute notre République. Il faut que la collectivité renforcée,
je dis à d'abord une vie mais cassé mais pour le Brest gérer ça malheureusement ça n'a jamais été la priorité. Aujourd'hui on commence à vivre et les conséquences c'est dévastatrices et des on refus de effectivité de réalisation dans le pays. Oui, magistrat, deux mois après, situation Gafoua a toujours été, même je ne peux pas dire living pire. Est-ce que selon vous-même, il y a une volonté pour votre autorité policière? Moi pense que pas de volonté politique. Moi j'espère que le nouveau PM qui vient clairement la mettre ça en priorité parce que lui dit que c'est l'élection, créer les conditions idéales, les conditions sécuritaires pour la tenue des élections. Donc, pas aucune possibilité pour créer les conditions sécuritaires acceptable dans le pays, ça, c'est le match sans pas résoudre. Et moi, je pensais que moi, il faut que nous mettions en condition rapidement en place pour réfléchir sur les solutions qui doivent apporter à le match sans. Parce que moi, je ne crois pas que c'est à vos écoutes d'âme avec Mounio qui, d'abord, a une solution. Qui a bien mis à parler avec ça, peut-être, qui l'autre mesure d'accompagnement qui pourra assurer que l'espace, là, eh bien, lui retourner, même Jean Guéret initialement. Parce qu'au fait, je dis, ah, c'est seule volonté politique qui peut permettre que ça fête. C'est une volonté politique, nous nous abjurer sous contradiction, sous pour faire confusion, comme si ça, son gouvernement de transition, plus situation s'arrêtait, plus qu'à prétend. Eh bien, là, je pense qu'il y a vraiment très mal abordé pour l'article là. Et moi, vraiment, je crois que ministre PM et Ariel, et pas parler là-dedans avec ça, et le pari noir là-dedans. Si pas contre la là-dedans, nous-mêmes, Moun Kafou, Maïssa Kafouyo, collectivité en général, et nous, on le dire pour nous pas d'accord, et contraignons justement faire en sorte que la vie reprenne dans ce quartier, comme une Kafoua reprenne. Donc, il y a un concept en gestion municipale, on est les chars de centralité, qu'au niveau littérature, en termes de coopération spécialisée, que nous apprenons, c'est ensemble de grandes villes, conséquences sont celles des villes périphériques, zones périphériques, c'est nous-mêmes, ces grandes villes qui subissent. Je dis à Guinée, tout le monde qui est qu'on vend à terre dans ma puissance, à terre sur le centenaire. Mais c'est tout café, dans la rue café qui vient de venir. Le monde qui est qu'on allait en bas la ville, sortir au gang, tout le café qui vient de venir. Même si vous avez ramassé un pile fatra encore, il y a 23 matériels qui n'ont pas dans la communauté. Mais on ne voit pas qu'il y a aucun interlocuteur au niveau central, au niveau gouvernemental qui vous dit. Jude, Maïssa Kafou, Kafou, tout problème d'ailleurs, mais qui s'en a fait pour assurer un redémarrage de Benéria, ou bien 7 mois, ils m'ont pas fait envoyer, pas un mine gaz Kafou, mais pour qu'il n'y ait pas de gaz, une semaine, il y a bonne gaz, je ne sais pas pourquoi il y a peut-être gaz, donc il n'y a pas de coordination des actions du gouvernement avec les collectivités, avec la collectivité municipale de Kafou, d'assurer que vous mettez une prise en charge de ça qui a passé Kafou là, en particulier le monde dans le centre d'hébergement, dans le gymnase. Donc là, c'est un point idéal pour une DPM, non, et qui a cette montée. Attention, création de conditions sécuritaires pour faire en sorte que l'élection soit là, il doit passer justement par solution à problème artisan et aussi intégration collectivité, un agenda politique qui supposait mettre en place dans un accord politique plus large que de sortir dans la situation que nous avons aujourd'hui. Merci Guillaume, mais avant d'aller, nous avons dit que magistrat dans tout le pays, collectivité en général, avec les délégués de ville, Mathieu de ville sont stationnaires. Nous ne pouvons pas accepter pour nous, aussi nombreux dans le pays, comme élus locaux, comme responsables au niveau collectivité, pour nous quitter acteurs politiques. Après qu'ils ont assassiné le président, je ne pas dire que c'est acteur politique assassiné, mais après le président a assassiné comme ça, pour nous quitter que la décision politique soit prise sans nous-mêmes. Nous, encore une fois, déplorer l'assassinat président. Ils ont entré la caille, ils ont crevé Gilles, ils ont tué. Nous, c'est pour de solidarité, ben, nous, non, qui te dit, pas d'accord, finir à la fête, 23. Parce que si finir à la fête, nous, nous, pas intéressé à nous porter justice, ben, président. Magistrat, non, car c'est un grand nom, en général, qui nous est solidaire ensemble avec eux. Mais je dis, à collectivité, ben, doit arrêter silencieuse, vous la garder, il y a plein de noms, faut lever. Il faut camper pour dire pas d'accord et proposer solution, porter éléments de solution pas à une solution globale pour résoudre la crise là. Nous demandons PM Ariel pour chercher un accord politique plus large avec acteurs politiques, avec classe politique, avec la société civile là, pour nous chercher la paix dans le pays pour que l'investissement retourne et que Haïti capable de mouvement d'entendre. En pile la peine qui n'a constaté comment phénomène insécurité généralisée a. Continuer à faire sans peuple à couler chaque jour plus. Même ancien président Jovenel Moïse pas épargné pendant que l'autorité, la police avec la justice à genoux
c'est bandit à gang armé qui a terrorisé population qui l'a gué sans défense. Parti politique viré à mander autorité la justice yo à la police prend responsabilité nous pour garantir vie à bien population haïtienne. Parti politique viré à profiter voyer sympathie by toute famille, toute victime en bas machine insécurité ya. Dans dernier jour ça yo principalement moun ki obligé quitter la caillou pour aller vivre dans camp Fontine sans que Haïti par en guerre avec aucune autre nation. Moun Matissan yo obligé quitter la caillou. Moun Belé, moun Grand Ravine, moun village de Dieu et la Trier yo quitter la caillou parce que bandi Azam a fini avec yo. Parti politique Viréa voye sympathie aussi by famille ancien président Jovenel Moïse. Viréa voye sympathie by tout camarade qui assassiné dans massacre terroriste qui fait Delma 32 côté environ 15 compatriotes tombés en babal Azam assassinat dans Crissoi côté militant femme engagée Marie Antoinette Ticler et journaliste Diego Charles assassiné dans date qui était mercredi 30 juin 2021. Viré a exigé pour gain bon gens enquête qui fait sous acte terroriste sa yo et puis mandé justice à réparation pour famille. Plateforme politique petite paysan PLAP qui regroupe plusieurs partis politiques ak yon latriye organisation sociale qui gain pour objectif général goumen pour arriver faire dirigeant k'ap diriger pays a respecter droit tout petit paysan dans tout domaine. Plateforme politique petite paysan PLAP décide bay conférence de presse journée jodia pour condamner énergiquement assassinat et déplorer acte barbarie que criminel sans foi ni loi yo fait sous président Jovenel Moïse la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021 en dans la caille. Dans circonstance ça plateforme politique petite paysan a continué voyer mot de sympathie by ex première dame nan qui c'est Martine Moïse Timounio ak fami Moïse pendant la tonne résultat bon gens enquête sous zak assassinat ça. Plateforme politique petite paysan PLAP constate à chaque fois pays a confronté avec crise sociopolitique ça yo andan pouvoir d'achat population vin pi baisser. Déjà ces derniers jours et nous senti gain difficulté surtout dans chimie nous même qui fait SVT yo yo pèse nous vraiment dit yo pèse nous ça vient rendre et mon cap suivre nous yo pas veut quitter nous virer quoi nous même communiquer pas même si nous petite communication yo relé nous pas venir déplacer yo que nous vraiment dit ça rend il n'a demandé pour gérer nous parce que nous mal composé et chimie hein? OK c'est ça moi t'a dit et puis n'a pas demandé avec l'état encore. Regardez comment la caïtime nous parce que l'école yo mal géré nous. Yo mal géré nous, pas qu'il nous composer bien, gagne pas ban nous temps pour nous composer. Yo pas qu'il nous composer dit tout. Il n'a pas demandé l'état pour le gérer nous parce qu'il pas faute timoun yo parce que l'école yo pas qu'il nous composer. Examen était roulé très bien et puis qu'on a nous était seulement créole pour nous faire. Donc bien sûr que oui, m'a passé. Donc c'est sûr. Pas capable passer. Et pas qu'il ça me souhaiter, m'pas souhaiter passer. M'a passé. Trois jours examen était bien, hein, grâce à Dieu. Donc, tout le monde était en forme. Oui, quatre jours examen, c'était normal pour moi parce que je me préparé, je me étudié, je travaillé en pile, je dormi tard. Tout ça, tout le monde en juillet, je me préparé l'examen. Hein. Donc, je me sentis fier de moi et de tout ça me fait sur l'examen. Donc, on a obtenu le résultat. J'espère que je vais une bonne réponse positive et m'a fait. On a été mérité. Je peux dire que ça marche comme sur des roulettes parce que on donne généralement les examens à temps. Donc tout s'est jusqu'ici bien déroulé. Les élèves ne se plaignent pas tellement. Seulement hier, il y a un petit grogne et pour la physique parce qu'on avait prétendu, on avait prétexté qu'il y avait une erreur au niveau d'un exercice à résoudre. Mais après ça, en gros, je peux dire pour les 4 jours, c'est une réussite. Donc jusqu'ici ça va bien. Sauf une demoiselle qui était en malaise. Mais malaise là,
je crois que c'est plus une affaire personnelle, mais cela ne dépendait pas vraiment et de l'environnement, est-ce que vous comprenez? Donc malheureusement, elle est partie, elle n'est pas revenue parce que son bagage, il semblerait un bagage racial. Mais après ça, on a enregistré aucun incident malheureux. Et on est, nous avons 396 élèves qui étaient prévus, nous avons moins d'une vingtaine d'absents. Ça veut dire nous avons à peu près 380 candidats qui présents sur 396 que nous étions supposés gagner. Pour les mesures de sécurité jusqu'à présent, ça va parce que et nous avons des patrouilles de temps en temps qui visitent nous. Quelquefois, ils ont passé une heure de temps, deux heures de temps. Ils ont fait va-et-vient. Ensuite, sur le plan sanitaire, on a essayé quand même de respecter les mesures barrières et les gestes barrières. Et puis, nous exigeons de chaque candidat le port du masque, le port de leur cache-nez. Donc si vous avez remarqué, on approche chaque candidat, et que ça soit en salle d'examen, même sur la cour de récréation, on demande ça, mais où qu'on est, on ne peut pas les porter à respecter et intégralement les mesures, mais quand même on fait de notre mieux pour limiter les dégâts. Honnêtement, j'ai dit ça à certains délégués et même des monde qui sortent en DDO, on a souhaité que et dans le personnel centre d'examen qu'on nous envoie moins de militants, que on prend temps pour ba non plus professeurs monde qui connaît métier, parce que la plupart des gens qu'on reçoit, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu malheureusement, et ils créent un pile problème, ils s'habillent n'importe comment, ils font n'importe quoi. OK, des fois et les élèves et copient. OK, il y a copié au vu et au su de certains surveillants. Donc en tant que responsable, on est obligé d'intervenir, n'est-ce pas, pour et remettre les pendules à l'heure. Donc moi-même, moi t'as souhaité que et prochaine fois, il y a recruté moins de militants, alors qu'il y a des professeurs qui sont là, qui sont disponibles, qui sont prêts pour faire boulot. Hein. Donc c'est ça seulement t'as souhaité en termes de recommandations. Bon, je pense que tout le monde est en forme, grâce à Dieu. C'est tellement difficile. C'est des pour travail. Mais si l'injustice là, c'est que vous avez fait un travail, tout travail, perdre, etc. Mais sans penser que vous avez besoin de ou pas besoin vraiment vrai. Donc ça veut dire que vous venez jouer un bagage que vous pas de travail. Donc c'est ça. Bon, normalement, pendant 4 jours, pas nous n'avons aucun problème. Tout le monde a couru assez bien grâce à Dieu. Bon, nous avons environ 260 qui inscrits, mais en fait, nous avons une dizaine qui va venir. Après ça, tout le monde a proposé normalement. Le policier est plutôt passé visiter nous. Et ensuite, nous avons des sécurités que nous attachés pour une SA qui pour nous sécurité pendant que tout le monde a proposé pour pas des dérapages. Comme nous étions au dernier examen après-midi, nous souhaitons que tout le monde bien passé et que tout le monde est capable de rentrer la caillou. Bien composé d'après le correcteur. Là. Orientation professionnelle. Pas vraiment connaître. Qui s'en va l'apprendre, tout ça. Bon, je pense, d'après moi, je suis remis à la médecine. Même pour qu'on connaît, ça dépend de pays, de situation pays, tout ça. Si c'est pas si pays a été en bonne marche, je pense. Je suis stressé, fatigué, tout ça. Je suis plus de chance pour m'étudier. Mais comme pays, hein, tout le temps, il y a des manifestations, tout ça. Et ça fait me dire, d'après pays, je connais si pays fait mieux parce qu'il n'y a pas de bon. D'après moi, je suis prêt à la médecine. Pour moi, tout le monde était OK parce que je travaille, je suis étudié pour ça. Donc, je suis bien dégagé, je suis bien composé. Et je crois que je suis réussi. Ça veut dire que le terminer avec études, ça veut dire que non, qui ça ou t'as aimé aller, qui ça t'as aimé apprendre, tout ça. Mais bien sûr, est-ce que c'est orientation professionnelle qui dit ça seulement? Non, ça t'a aimé devenu, ça veut dire que non, fait études, aller dans l'université pour m'apprendre médecine. Parce que moi aimé ça, dit que mon père aimé ouais, les mouns ont souffri, les mouns malades, et moi aimé mon tout, c'est ma affective. Donc, moi, mais les gens en santé, tout ça, mais les gens ont souffert côté. Dès que vous focus sur ce affaire, dès que vous ne pensez pas à l'autre bagaille, je suis seul côté, je ne sais pas quoi, qui a détourné mon sang à ma bonne.
Bon, il n'y a pas trop mal que ça. Après l'examen chimie, il n'y a pas trop bien composé la donne. Mais après de ça, tout le monde était bien passé. Bon, je vais finir faire choix net, mais moi j'ai intention d'aller dans les sciences économiques. Ça veut dire que je vais aller dans la donne. Vous avez parlé de sciences économiques. Ça t'a causé pour pas aller dans l'économie? Parce que moi j'ai l'autre choix toujours que je fais. Quel autre choix? Par exemple, moi j'ai choisi sciences administratives avec gestion des affaires. Parce que ces trois bagailles, en fait, surtout Haïti, en fait, moi je me décale là-dedans. En fait, moi-même, c'est trois bagailles que moi-même. Donc, on a dit l'examen pas vraiment difficile parce que nous t'es préparé pour ça, nous travaillons en pile. C'est vrai, année a été un petit genre difficile, il était long tout. Mais on connaît. Nous préparons l'examen, tout bas était normal, on a obtenu résultat. Orientation professionnelle, donc en Haïti, est-ce que nous avons vraiment parlé de base? Parce que nous connaissons une situation pays. Il y a un pile d'élèves qui finissent l'école, ils vont continuer à aller dans l'université. Il y a vraiment un choix pour réfléchir sur ça. Donc nous-mêmes, en tant que philosophes, c'est vrai que nous sommes obligés de penser à ça, mais orientation professionnelle, je dis un grand bagage. Tout projet ça, là, ni l'État ni privé, nous allons postuler pour tout. Et puis tout. Napten sa kap bay. Personnellement, mwen bay ki gen rapport avec mathématiques tankou génie civil, bay sa ou génie informatique. Mwen ka al postuler nan FDS lan. Bon, comme nous tout connaissons, c'est que en Haïti, le plus souvent ça on vit faire, il pas vraiment rapport au cob. Ça veut dire que c'est plus comme si bac capable prêter l'argent, on va obligé à le faire tout pour mwen lié dans ceci économique. Ben ça ou un café comme et c'est que papa est dans cette économie que comme si moi comme si il réussit dans la ville moi vais suivre tracé sur et ça fait un bon tour. Il y a mon gratitude pour ça. Moi toujours fait belle notre économie, on connaît que comme si on maille la vie à bon comme si il aide me faire l'argent. Bon, ça était très bien. Bien que parfois nous bien composer, nous pas bien composer parce qu'on a besoin de ça. Et puis tout comme nous va gagner temps tout, il va pas nous temps assez temps pour nous être bien composé parce que temps il va nous une heure temps sur chaque deux heures temps sur chaque feuille. Une heure temps seulement qui temps suffit pour nous recopier parce que nous recopier examen sur feuille misonnée. Ça veut dire nous va gagner assez temps pour nous composer mais quand même nous composer moi c'est plus fort si nous bien composé parce que si ben pas trop dit que ça. Bon, on va aller dans pile bagaille. Parce que premièrement, je vais dans la langue, parce que je vais mettre la langue, je vais mettre la langue sur moi. Deuxièmement, je vais mettre diplomatie. Parce que, en pile raison. Je vais voyager dans tout le pays, tout ça. Et puis, informatique, tout ça. Tout bagage. Parce que tout ça, je vais faire mal là-dedans. Parce que je vais l'âge pour ça, parce que je termine bonheur, j'ai 18 ans. Avait dit que j'ai tant devant pour m'apprendre tout ça me plaît. Tout d'abord, avant que moi te vienne composer, moi te gagne un objectif, c'est pour me devenir un examen officiel pour me réussir. Moi fait 4 jours d'expérience côté que moi t'ai subi une épreuve, côté que bon Dieu t'ai fait passer et me pas dessus de tous les 4 jours et me pense que à l'aide de 4 jours moi composé, moi bien composé et réussite là, il déjà chita pour moi. Et orientation professionnelle là, c'est que moi t'ai dans un cadre, moi t'ai dans une étape qu'on a la m'a traversé dans l'autre étape. Qui ça veut dire? C'est que moi t'ai dans l'école classique qu'on a moi pas dans école universitaire. Alright? Qu'on a là orientation moi pas le faire c'est ça moi pas l'apprendre. Côté que moi t'ai toujours un rêve pour moi t'ai devenu un avocat et que qui te ressemble et tout le monde trouvait ça. Et attitude moins et puis attitude moins surtout le m'a parlé le m'a prendre des décisions mais toujours comme des capables de dire ça décision mais toujours safe et puis toujours by apparition avocat le m'a parlé explicité a toujours là comme moi tout le monde toujours essayer comprendre moi surtout depuis grande discussion surtout un débat. Je toujours là, je toujours porter argument côté que je capable de convaincre tout le monde, je capable de dire waouh, monsieur semble un futur avocat. Idéologie pas même pas tout le monde. Il y a des gens qui écrit ça, vous voulez
mais pas maintenant. Bon, maman dit deux monde spécialement. Ou quand on parle de l'Eroud là, Eroud là c'est un partenaire qui est proposé avec. Ou quand on parle d'Arila, c'est une demoiselle qui va être raciste pendant l'école, l'école mère. Et sans oublier, la majorité de monde qui là, c'est équipe en circondiscipline, ou du moins, on a des élèves dans la même salle de proposer, qui est proposé bien avec moi-même. Ouais, ça me souligne, c'est l'idéologie ça qui fait mes crues. Avec nos domaines qui font société, c'est le monde qui dépense. Moun ki dépense, m'a fin l'école yo. Yo, moun ki dépense, m'a fin l'école là. Moun ki dépense, m'a fin l'école yo. Yo, montre ok, société a para décidé ça m'a bien demain. So, m'a montre m'a fin l'école. Et ceci, faculté, factory. Nous passons, nous parlons de faculté. Nous pas passer factory pour nous ka quitter le pays. Et ça, c'est le monde d'abdi, monsieur. Bon, 4 jours examen, c'est un bas équipe. L'épreuve là, c'est pas trop difficile parce que l'épreuve là pas trop difficile, c'est pas nous à niveau nous, mais nous tous là battre pour nous réussir avec succès. Chaque ça pour moi, c'est signature chaque élève qui côté pour moi. Chaque élève qui croise moi pendant année à côté côté pour moi, soit me déjeuner non, séminaire ou sinon bah il me fait quitter signature sur moi. C'est juste ça. Avec élève moi et puis bon moi avec moi je juste faire quitter signature sur moi. Ça veut dire. Ah bon, pour moi même déjà réussi. Tout goal. Ouais. En tant qu'ancien, en tant qu'élève qui a dit que qui rive non fait non bagage juste nous faire dans qui sens. Nous faire dans sens dit que pour nous montrer j'annoté à bout, j'annoté en dit j'annoté soif moment ça, c'est dans optique ça que même nous fait. OK? Bon, ça nous écrit, comme les gens qui regardent là, on va prendre bien la caméra, on va voir ça le signifie, LTL, lycée Toussaint Louverture, l'un des meilleurs lycées du pays, c'est ça nous écrit. Game over, avec ça. Bon, game over, qui est capable de répondre pour nous, game over. Tout le bagage est fini. Game over, tout le bagage est fini. Bon, on dit, école classique là. École classique là, nous mettons fin dans ça. Yeah, c'est parce que je suis une fête qui fait pas écrit sur l'uniforme. Donc je suis sur l'uniforme, je dis ministère, je passe net, je ne vais pas tourner encore l'école, je ne vais pas tourner dans le baccalauréat encore. Non, juste ça veut dire nous succès, tout bas est succès, succès pour nous passer déjà, on s'est bagaille. Nous juste retenons notre résultat ministère. Comment ça fait? Pour 4 jours, examen en thèse, mais il y a un bagaille qui est le temps, il y a un bagaille dans l'examen. Surtout pour chimie, élève SVT. À proposer chimie, il n'y a pas qu'à même balle, même 2 ans et demi. Non, ça va bon. Nous adieu à l'école, parce que nous-mêmes, tout staff qui là, Jérusalem, nous-mêmes nous disons adieu à l'école classique. Là. Adieu à l'école classique. Qui ça veut dire? C'est tellement que nous-mêmes, nous ne pouvons pas tourner la classe encore, nous ne pouvons pas tourner dans l'école ça encore. Éclair. Son forme d'expression pour nous démontrer qui est nous pas dans la classe encore. Même qu'elle va comprendre le résultat déjà qu'on est passé. On va encore saluer. Tout ce qui est bien, tout simplement, elle m'a proposé SVT en bas d'aller là-dedans. Ce n'est pas d'unité de dire non, mais nous sommes toujours stressés. Je ne vais pas bien dire qu'il n'y a pas de difficile pour nous. Parce que l'école, depuis que nous rentrons actuellement, nous sommes stressés. Et puis, si nous sommes passés en année, bon, il y a des objectifs pour finir l'école, il y a le composé. Mais ce n'est pas aller au départ à l'école. On ne voit le cas, si nous sommes Delmadé, si nous sommes Matissant, et si nous ne savons pas même quoi faire 3 mois à l'école. Tout simplement, fichier sorti, il y a le composé. Avec intelligence, et puis tout l'école est tombé à l'école. Dans la classe, il y a un élève qui était confus, il fait 2 premiers jours malheureusement à cause de Jean Zonnan, il n'est pas venu hier avec jeudi. Et nous parlons ça ensemble avec les responsables. Non, il dit même qu'elle est venue jeudi avec nous. Même qu'elle est venue hier après-midi avec jeudi, tout perd l'examen, il est éliminé. Ça veut dire que nous ne connaissons pas le composé confus, mais qui va le composer. Ça a vraiment fait triste parce qu'elle est venue 2 premiers jours, mais hier à jeudi, elle n'est pas venue. C'est ça que nous avons. Examen très bien. Moi, merci au ministère là pour que lui comprenne la situation pays et lui ban un examen qui est vraiment facile. Seulement, Santio qui ont des gens très sévères, ils suivent nos très dur, mais après ça, pour examen très facile. Dans quelle école sortie? Lycée national de Carrefour-Feuille. De Carrefour-Feuille? Ok.
Et comment année l'école là t'es pour pendant tes cas fait là? Vous pas perturbé pendant l'année? Oui, je suis perturbé parce que moi j'étais mortissant et puis le lycée était en construction dans tous les 5 ans. Après l'elfine construit, vous voyez comme fait. Parce que j'ai un objectif de finir ensemble avec ma l'école, ça j'ai que payant, j'ai besoin de finir. Malgré tout problème, je suis sûr que ma réussite quand même. Comment dire examen pour premier jour? Premier juin, ça passe très bien. Pour premier juin, parce que l'examen était bon, bon, on pense à faciliter tout le monde qui a fait. Mais deuxième jour, composition, qui côté nous fait chimie. Bon, en chimie, bon, nous, on ne comprend pas si c'est parce que l'examen était en dehors ou du moins si son examen tout, il était tendé, trop petit monde a parlé de lui, il vient d'entrer examen chimie, et puis il vient de nous l'autre. Et puis par rapport à l'autre, ça a fait une balle. En pile, tout le monde n'a pas fait point pour chimie. Surtout moi-même, c'est le premier monde qui n'a pas fait point pour chimie. Je ne sais pas faire, même pas fait point pour chimie. Après ça, bon, troisième jour, nous faisons biologie. Bon, biologie encore, c'est presque la même balle là. Alors, le message que je voulais porter par rapport au ministère, si par exemple, tu as un film préparé, je suis fini de préparer un examen pour être bali. Et puis ça, je suis préparé à celui même qui élève lui-même, il était préparé tout. Et puis après ça, je vais changer l'examen pour l'élève. Ça rend l'élève pas passé. Parce que moi-même, c'est ça ma psybi là, je vous dis. Jusqu'à maintenant, je ne peux jamais passer. C'est après l'examen créole là. Si je complète des examens créoles, je vais le faire, mais sous mathématiquement, il y a 300, j'espère m'a passé. Mais si toutefois, examen mathématique ensemble avec créole, je ne vais pas faire 300 pour les jeudi, je ne vais pas passer. Bon, pour le premier jour, l'examen n'est pas tellement bien parce que la chimie, et je commence à proposer chimie en après. Il y a des élèves qui ont demandé pour qu'on ait des spectacles à passer. Il y a des élèves qui ont fait chimie, non, qui ont fait chimie par bon motif. Après ça, pour le deuxième jour, c'est une bagarre de route. Bon, pour mathématiques là, moi, il n'est pas difficile. C'est une autorité, c'est une responsable spéciale pour mon handicapé. C'est une ville qui ont visité les Côte-d'Oisie. Nous sommes dans le ministère national qui occupe les questions d'éducation de l'éducation de l'éducation dans la Casas. Ça fait un plaisir pour nous accueillir le secrétaire d'État. Nous sommes centre qu'il a depuis environ 10 ans, depuis là, que son centre inclusif, que nous, si mon handicap, si mon handicap, à composer sur le côté. Même gens, si mon handicap est à l'école ordinaire, et fréquenter la timon qui parle d'une déficience, c'est de même dire que nous sommes pour un centre inclusif. Quand c'était 5-20 centres qui ont été composés, nous ne venons pas d'accord encore. Nous disons qu'on peut composer dans un centre inclusif pour faciliter que timon est à l'aise, que ne va pas sentir isolé, humilié, qu'il a proposé à notre timon qui parle d'une déficience. Ça va faire plaisir. Ce que nous créons depuis la 9e année à baccalauréat, pour que le groupe timon qui a des problèmes. Matissan, yo, gen ti moun handicap ki gen problème matissan, gen ti moun handicap ki gen problème ki rete ki fò tamara, etc. Nou fè vini nou kreye un centre pou de ka compose kaf. Ti moun sa yo nou ka fè vidéo de son la ville, ke nou fè compose kaf. Ke ti moun ki fè vidéo, nou fè compose kaf. Mais si pa di problème ça tout temps bin compose là. Ti moun yo compose depuis la 9e en Kafoua, c'est le collège Côte-Plage de Kafoua. Alors, c'est une visite de courtoisie. Donc étant donné que moi, c'est le secrétaire d'État pour l'intégration du handicap, nous sommes passés juste pour nous capables de faire une visite de courtoisie avec les gens qui sont handicapés qui a participé à l'examen d'État. Et nous remercions le ministre Marie-Lucie Joseph donc, qui a déjà visité ce centre-là vraiment pour vérifier le bon déroulement de l'examen. Donc, encore une fois, nous encourager cette initiative ça yo, parce que c'est intéressant que tout l'État fait promotion hein, donc pour l'éducation pour les gens qui sont handicapés. Donc tout va ok et que nous-mêmes nous souhaitons yo, passer une bonne période d'examen et que pour tout réussir, pour continuer avec le reste combat la vie et que le ministère de l'Éducation nationale lui-même qui est responsable des affaires éducation pour tout le monde, donc à continuer à faire promotion pour l'éducation inclusive. Là. Non, c'est ok, c'est bien organisé. C'est bien organisé. Donc,
coordonnateur là, donc, et puis avec toute l'équipe ministère là. Donc c'est bien déroulé, c'est bien correct. D'ailleurs, nous, ouais, tout le monde a composé tête fraîche, sans problème. Et tout le monde dit que yo, ok. Donc le ministre a été passé déjà, j'en nous dis, hein, pour que lui-même soit capable d'assurer que le monde handicapé yo, a composé dans un espace qui est adapté avec handicap sans difficulté. Donc le ministre lui-même qui est en charge de l'éducation, il fait nous-mêmes vraiment comme secrétaire d'État pour handicapé, c'est une visite de courtoisie parce que question d'éducation, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui côté ça. Nous sommes sûrs que gagné CASAS, qui est dans le ministère là, qui régler tout ça qui a rapport avec l'éducation pour les handicapés ensemble avec le ministère. Ce qui veut dire que le ministère lui-même travaille correctement examen, adapté avec les gens qui sont handicapés, même les gens adaptés pour tout le monde qui subit l'examen. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.